Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons faire une grenouille sauteuse avec un rouleau de papier toilette. Alors on y va, je vous mets le modèle ici sur le côté. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc vous prenez un rouleau, ici j'ai déjà prépeint parce que je trouve que c'est plus simple, mais vous pouvez très bien le faire en rouleau neutre et puis le décorer ensuite avec des feutres ou le peindre ensuite ou coller du papier dessus, ce que vous souhaitez. Donc la base, c'est le rouleau. Et ensuite, on va venir découper tout d'abord les petites pattes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur une tranche et on va couper une bande à peu près d'une 1 cm d'épaisseur. Donc, je vous le fais à peu près jusqu'au tiers. Voilà, donc là, on a déjà un côté et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on s'aligne pour que la bande soit. En fait, c'est comme si on avait une bande, sauf qu'on ne coupe pas le milieu. C'est ce qu'il faut se dire. Donc là, on a mes deux côtés avec le centre qui est resté attaché. Et on va repérer à l'œil le symétrique de ce côté-là. Donc si vous souhaitez, vous pouvez prendre une règle et puis marquer un petit point. Là, pour aller plus vite, je vais le faire à l'œil. Et pareil de l'autre côté. Donc avec ça, on a notre base de grenouille. Ensuite, pour y voir plus clair, vous pouvez commencer à replier les éléments. Donc des quatre pattes. Voilà. Donc là, on a nos quatre pattes. Ensuite, on va venir découper l'arrière de la grenouille. Donc là, c'est très simple. On coupe une ligne droite entre les deux pattes. Attention de ne pas découper la pâte avec. Donc, une première ligne droite. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, on a notre pâte de grenouille. Et pour le dessus, on va faire venir un arrondi. Donc, on peut le soit faire à l'œil, soit vous prenez un crayon et vous venez, si c'est plus simple, faire un petit arrondi. Comme ça vous sert de guide. Après, symétrique, pour que la tête soit symétrique. Donc on y va. Bon, faites toujours attention de ne pas, pardon, découper les pattes. Voilà, donc on vérifie après que c'est symétrique. On peut ajuster un petit peu en fonction de la forme qu'on veut lui donner. Et ensuite, eh ben, on va faire pareil de l'autre côté. Donc une fois qu'on a fait un côté, on fait l'autre. Voilà, on ajuste un petit peu. Et voilà, notre grenouille est pratiquement terminée. Donc, on va lui plier les pattes. Donc, les pattes avant, je la plie en deux. Voilà. Et puis, les pattes arrière, on va faire comme un petit pied. Donc, on la plie juste le bout, je dirais au tiers, et puis après, on replie. Donc, ça fait comme une petite patte. Donc on fait pareil de l'autre côté, à peu près au tiers, et on replie, et on a notre petite patte. Donc voilà, on a la base de la grenouille, et ensuite reste plus qu'à lui rajouter des petits yeux. Donc là, vous voyez, j'ai fixé des yeux qui bougent, là, qu'on trouve dans le commerce directement. Donc si vous avez ça, vous pouvez les utiliser dans ce cas-là. Sinon, c'est simplement découper des ronds dans une feuille blanche. Et puis ensuite, j'ai fabriqué un petit œil. Donc les ronds, vous pouvez utiliser le haut d'un bouchon, enfin, utilisez ce que vous avez sous la main pour faire les petits ronds. Moi, j'ai une règle spéciale où il y a toute forme de taille. Donc ça, c'est hyper pratique. Mais si vous n'avez pas, prenez le haut d'un bouchon, ça marche très bien aussi. Et vous pouvez aussi simplement venir faire un trait noir avec un feutre, ça fonctionne, hein. Vraiment la solution qui vous paraît la plus simple, que vous préférez. Tout fonctionne. Donc le premier œil, le deuxième, et voilà, on est paré avec nos grenouilles sauteuses. À vous!